Ce résumé vous est présenté par Takeaway.com et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League. Avec Modric, de nouveau il rejoint Modric pour l'ouverture du score. Non, l'arrêt réflexe de Trubin. J'ai le sentiment que Modric pouvait peut-être un petit peu mieux la placer. Avantage Nice, c'est Alan Patrick qui va frapper, c'est sur le poteau. Réponse de la frappe de Kroos cette fois-ci. Thibaut Courtois était complètement battu. De la part de Courtois, bonne relance. Et là, on joue le Militao vers Benzema. Il est bien sûr de ballon. Benzema, il parvient pas à la contrôler. C'était pas simple. Oh, c'est dangereux ce ballon. Vinicius Junior, il est là. Benzema, ça termine au fond. Et cet homme-ci va donc marquer l'histoire officiellement, puisqu'il marque le 1000e but du Real Madrid en Champions League et Coupe des Champions. Donc, les deux formules mélangées. C'est 1-0 pour le Real, un peu avant le quart d'heure. Et ça va définitivement les lancer dans cette rencontre, évidemment. Et tout part d'une relance dangereuse de la part de Trubin vers Marlon. Ah, ils sont sous doublure, évidemment, les Madrilènes. Je vous parlais de cette sérénité retrouvée avec ce but. C'est encore plus le cas. Quel magnifique transversal de Casemiro vers Lucas Vázquez. Il peut aller provoquer, essayer de frapper. Il préfère faire une passe. Modric, l'arrêt impeccable de Trubin. Il n'était pas évident hein, parce qu'il était dans le replacement. Et ce duel gagné par Modric fait la différence, puisque Fernando peut garder un petit peu le ballon, lever la tête, mais il y a très peu de monde qui accompagne. C'est joli de la part de Fernando vers Modric, qui n'ose pas frapper. Il lève la tête, il tire maintenant sans danger pour Thibaut Courtois. Modric, oh c'est bien vu ça de la part de Modric. Fernando, la frappe, c'est juste à côté. Énorme possibilité pour le Shakhtar, c'est déjà la deuxième après le poteau, très clairement. Militao qui regarde, mais voilà, il y a quelques moments d'absence défensivement. On essaye aussi de prendre beaucoup de largeur dans le jeu du Shakhtar, même s'il est passé un peu plus vertical. Quel magnifique but, quel superbe but, l'amorti d'Alan Patrick est absolument sensationnel. Et le but de Fernando, bah, c'est toute la frustration de son début de match qu'il vient de claquer dans le plafond du but de Thibaut Courtois. On parlait de cette défense, des fois un petit peu amortie. Il y a eu deux sonnettes d'alarme. Et bien la troisième, c'est la fin de la cour de récré. Là. Oh, de nouveau une perte de balle, un coupable. Il faut que Militao récupère la course de Fernando. La frappe et l'arrêt de Thibaut Courtois. Vinicius Junior qui est sur la droite. Oh, quel mouvement avec Casemiro. Quel but sensationnel signé Karim Benzema. Mais honnêtement, c'est un but collectif magnifique de la part des Merengues. On parlait de ses combinaisons dans la zone offensive. On parlait de ses mouvements qui étaient absents depuis le but d'ouverture. Et bien voilà, ils s'y sont mis. Et il suffit d'une fois pour faire mal, pour faire la différence. Quelle équipe quand même, quel joueur. Tété, bon ballon, il a senti Dodo, la frappe ou centre, il a hésité je pense Dodo. Tété bloqué, mais il y a Dodo qui est là, bien éveillé. Oh, il a une possibilité de frappe pour Stepanenko, l'envoi juste au-dessus de la barre de Thibaut Courtois. Comment on peut encore les laisser tirer alors qu'ils ont déjà eu quelques alertes?
Kroos, il va la jouer à l'expérience. Vinicius, il a l'occasion de provoquer. Hein. Normalement, à cet état de match, maintenant, il est capable de provoquer. Kroos qui hésite, qui frappe finalement. Oh, quelle frappe vicieuse de Toni Kroos. On essaie de frapper. Bon retour de Lucas Vázquez. Bah oui, il doit travailler, le garçon. Petit ballon en retrait. Toujours pas de frappe. La voici, la frappe, l'arrêt de Courtois. Ce résumé vous a été présenté par Takeaway.com et PlayStation. Sponsor de l'UEFA Champions League.